Quelle catastrophe! Ah, et on a cru que c'était une caméra. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, je vous emmène avec moi pour un vlog. Là, je filme ça à 16h, on est mercredi. Et demain matin, avec ma soeur, on part en voyage scolaire avec mon école. Parce que même si je vais pas à l'école, parce que je fais école à la maison, je suis inscrite dans une école. Combien de fois j'ai dit le mot école? Bref. Et du coup, on a réussi que ma soeur vienne avec moi, donc c'est cool parce que sinon je connais personne. Je sais pas s'il y aura beaucoup de monde, pas beaucoup de monde parce que de base cette école elle est un peu petite, il n'y a pas beaucoup d'élèves, mais peut-être il y aura justement beaucoup d'élèves de l'école à la maison, je sais pas. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'on part environ 5 heures de voyage et on part, on va voir deux châteaux en Pologne, bien évidemment. On est visité deux châteaux, donc un ça s'appelle Zamek Moschna, château Moschna. Moschna c'est l'endroit, donc j'imagine il y en aura un autre un peu plus près, et j'avais déjà entendu parler de ce château et apparemment il ressemble à Oxford ou Harvard, enfin je sais pas comment on dit, mais on verra parce qu'à tout moment c'était pas vrai. Donc voilà, je vous emmène avec moi et là je commence à me préparer parce que demain on part à 6h et encore le temps de me préparer, d'aller là-bas, bah, je vais devoir me réveiller à 5h. Juste pour vous dire, aujourd'hui je me suis réveillée à 7h30 mais je me suis encore endormie, et hier je me suis réveillée à 10h. Donc voilà la vie à l'école à la maison, donc je suis pas du tout habituée. Et pas du tout habituée à me réveiller à 5h. Alors là, pas du tout. Donc, ça va être intéressant. Ok, donc il y a quelques temps. D'ailleurs, la qualité est moins bien parce que je filme avec le téléphone. Mais de toute façon, je ne veux pas prendre la caméra. Donc voilà, désolée. Alors, il y a quelques temps, mes parents m'ont offert cette valise. Elle est trop mignonne, elle est petite. Mais justement, je n'avais jamais l'occasion de l'utiliser. Parce que même pour l'avion, pour la Belgique, c'était un peu trop grand. Pour le bagage, là, gratuit. Mais pour des voyages un peu plus longs, genre, ou même au camping, ça sert à rien. Et même si je pars quelque part, bah, c'était souvent trop petit. Mais là, c'est enfin l'occasion parce qu'on part pour une nuit. Voilà, j'ai oublié de vous dire, mais ça sera une nuit. Et voilà, j'espère que ça sera bien. Alors, je me suis dit, comme c'est un château, ça sera des châteaux, donc j'ai envie d'être un peu élégante. Donc, je sais pas pour qui je me prends, mais on va prendre ça. Chemise, ça c'est à ma soeur d'ailleurs, mais elle a rien dit, donc j'imagine que je peux l'utiliser. On a ça, mais juste ça en dessous, je sais pas si je vais avoir quelque chose. Bon, là c'est vraiment très mis au pif comme ça. Je vais prendre un pantalon, je pense peut-être un... Je sais pas, genre un legging de rechange au cas où si je le salis ou je sais pas. Mais en vrai, je vais avoir juste ça normalement. Ça, j'avais acheté il y a quelques temps pour au cas où si j'ai froid parce qu'il y a très moyen. Mais en gros, il a neigé il y a quelques jours. Là, on est mercredi, il a neigé dimanche en Pologne. Donc vraiment, il commence à faire froid. Il y a 0 degré souvent. Enfin, il fait très très froid. Donc même genre dehors, quand t'es dehors, bah, il y a la buée de la bouche, tu vois. Enfin, vraiment, on sent l'hiver, quoi. Donc voilà, peut-être je vais en avoir besoin. On a aussi des petits trucs comme ça, les élastiques pour l'appareil dentaire, un truc pour se laver aussi. Maman aussi nous a acheté aujourd'hui des pyjamas parce que c'est cool d'avoir des beaux pyjamas pour ce genre de sortie. Et ça, ce sont direct des pyjamas de Noël. Elle a aussi acheté des chaussons, il me semble que ça s'appelle comme ça. Aussi de Noël, vas-y, on va être direct tout Noël. Elle a aussi acheté des nouvelles chaussettes parce que c'est un peu la honte de venir avec des chaussettes avec des trous. Donc on a des noirs classiques et aussi en, comme ça en brun. Donc demain, j'imagine que je vais mettre comme ça et je vais prendre les deux au cas où. Ah, voilà, aussi des gants. On les a achetés, enfin je ne les ai pas achetés mais je les ai reçus. J'étais allée au magasin avec la personne qui me l'a offert, bref. Je sais pas, je pensais que c'est mignon. Mais c'est pas mignon, c'est juste cringe. Oh ouais? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? On enlève ça parce que... C'est pas... Tu vois, il y a un truc, mais c'est... Non, non. Oh, non, je le refais pas, désolée. Bon, je vous ai pas montré, mais regardez, comme on va visiter des châteaux, ils ont fait carrément une liste de choses à prendre. Trop mignonne en forme de bah, château, vous comprenez. Et c'est vraiment tout écrit, ce qu'il faut pas oublier, à quelle heure on part. Là, on ne sait pas encore à quelle heure on va revenir. Mais en tout cas, bah, ça sera le prochain jour. Là, j'ai caché juste les données un peu plus personnelles. Voilà, vraiment, il y a tout. Enfin, bien évidemment, c'est en polonais, mais vous comprenez le concept. Et je trouve ça trop cool.
Ok les gars, là on veut manger, mais en gros c'est interdit de manger. On est arrivé direct voir le premier château. Les gars, on est non là je peux parler normalement. On est dans l'hôtel parce qu'en fait nous on était les seuls qui n'étaient pas les dans cette école. Filles qu'on était. Qui sont pas dans cette école mais on est genre à l'école à la maison. Enfin moi dans cette école donc on n'est pas des élèves de cette école physiquement. Donc ils nous ont donné on va dire avec les garçons mais comme c'est un hôtel il n'y a pas de partie de garçons. Et en gros on a une chambre trop bien donc c'est déjà cool. On a des toilettes chacun à nous deux donc on peut faire caca tranquillement. Et les gars par contre moi j'avais trop peur qu'on devra aller genre se laver. Genre c'est peut-être bizarre mais tout ça vous voyez qu'il y a des toilettes communes. Donc j'avais trop peur de ça. Vraiment je suis trop contente parce qu'on a notre chambre. Et en gros regardez on a la déco c'est pas enfin les couleurs mais on s'en fout. On a un bureau et regardez Johanna elle me comprend pas mais moi regardez on a une sortie sur le toit. Vous savez ce que ça veut dire? On peut attends, aller. On peut voir les gens. Oh, ouais. Ah, parce que c'est elle. Ah oui, il y a des filles. Mais en gros, on peut sortir sur le toit, littéralement, et s'asseoir. Enfin, on va pas le faire. Enfin, ne faites pas ça à la maison. Mais au cas où. Ah, attends, viens, on va vérifier. Est-ce qu'il n'y a pas un corps? Ok, il n'y a personne. Corps, moi, je sais pas. Il n'y a personne. On peut mettre notre veste ici. Ou bien là-bas. Non, là-bas. Là-bas, en vrai. Moi, je préfère là-bas. Mais c'est trop bien. C'est... Je crois que le motel, c'est pour plus de personnes. C'est ouais, peut-être qu'ils ont des chambres à plusieurs. Et quand je dois voir s'il n'y a pas de plus de lits. Non, pour eux, il n'y en a pas. Si, il y en a. Écoute, donc voilà. Je suis trop contente parce que c'est en fait, c'est notre premier hôtel à deux. Et même, genre, il y a un problème. On a les profs devant notre porte. On fait tac, tac, tac. Et on vous montre aussi encore. Les chaussures. Voilà, c'est un peu basique, mais enfin, c'est trop bien. Oui, oui. Les gars, en gros, on a caché parce qu'on était en appel avec notre maman. Et en gros, on pense j'ai que... J'ai montré un truc comme ça et on a cru que c'était une caméra. Ou bien c'est un truc pour qu'on vole pas l'atelier, mais peut-être c'est une cam, donc on préfère ne pas risquer. Donc on l'a caché pour l'instant. En gros, elle voulait faire une intro à la Lena Mafouf, donc vas-y, si elle est... on va réaliser ses rêves. Là, je suis sur le lit de Johanna. Mais on s'en fout. Tu m'as sérieusement poussée, Johanna. Est-ce qu'on n'est pas bien, là? Regardez, Johanna épanouie dans ce qu'elle regarde. Miraculous. Ici, on a mis les snacks. Enfin, j'ai mis les miens, en tout cas. La liberté, c'est fini. Ils nous ont dit de laisser les clés de la porte à l'extérieur. Comme ça, ils peuvent entrer, donc... Fini. C'est ciao. Elle est ouverte, carrément. Là, on est bien.
Non, on a un peu regardé la télé. Comme vous avez vu, on a mangé, on a été au château. Donc maintenant, on va un peu parler. Alors déjà, premièrement, ici à Johanna, au cas où. Alors le château, parce qu'aujourd'hui, on a visité un château, genre, c'est pas ouais, un espèce de château un peu moins bien apparemment. Celui de demain va être beaucoup mieux. Donc là, on est dans le village Niemodlin. Et du coup, on a regardé, on a visité le château Niemodlin. Et c'était très cool. Du coup, ça, c'était marrant parce qu'en fait, on pouvait se diviser en deux groupes. Il y avait un groupe qui voulait le visiter dans le noir. En fait, nous, on a trouvé que l'idée dans le noir, ça n'a pas de sens parce que genre, tu vois rien. Ouais, au début, on pensait que c'était peut-être avec une lampe, genre, pour faire peur. Mais en fait, c'était carrément dans le noir. Et nous, on est allé dans le groupe. Donc, on est une trentaine ici. On est une quarantaine. Ouais, une quarantaine. Et du coup, 35 personnes sont allées dans le groupe dans le noir. Et non, nous, avec... il y avait trois autres filles, on est allé avec Notre-Dame, c'était trop cool parce qu'elle racontait, c'était très intéressant, un peu flippant parce qu'elle racontait, je sais pas si c'était des gens où c'est vrai, mais des trucs un peu flippants. Aussi, elle racontait beaucoup d'histoires, enfin, j'imagine qu'il y a une partie qui est juste pour faire peur, mais en gros, voilà, c'était pas ouf l'ambiance. Ok, ensuite on est revenu, on a fait quoi? On a découvert les chambres comme vous avez vu. Et là, il n'y a pas longtemps, on a mangé, maintenant on est revenu, on a un peu regardé la télé, et puis voilà. Ah oui, d'ailleurs, le voyage. Quelle catastrophe. Donc de base, on a regardé sur Google, en voiture, c'est genre 5h30, donc on voyait. C'est 5h30, 6h maximum, et 7h. On a pris 7h. Et on s'est arrêté 3 fois pour faire pipi, parce qu'en fait, dans le groupe, il y a beaucoup de plus petits, genre même des 3e primaire. Ouais. Des maternelles. Donc, on comprend un peu, mais c'était énervant. Genre, nous, on a pissé une fois, ça suffit. Et eux, ils devaient aller 3 fois. Ouais, nous, on était allés une fois et c'était en fait la pause, on avait mangé. Et puis, on est reparti, on a fait encore 2 pauses. On mangeait rien, c'était juste pause à aller aux toilettes. Ouais. En plus, il y avait encore un embouteillage. Genre, pour moi, en plus, on a fait plus vite la pause du manger. Genre parce qu'il y avait des enfants qui se sentaient pas bien. Et voilà. Et en gros, après, il y avait beaucoup de bruit. Il y a un garçon à côté de nous qui chantait. Mais genre, au début, c'était marrant parce qu'il chantait un truc. Bière, truc, nana. C'était marrant la première fois. Mais puis, il commençait à chanter des trucs. En gros, il a commencé à chanter beaucoup, beaucoup sans s'arrêter. Genre pendant, je sais pas, une trentaine de minutes. En fait, parce qu'on était genre du côté de la fenêtre. Devant nous, il y avait des filles qui chantaient. À côté de nous, il y avait des filles, des garçons qui chantaient. Derrière nous, il y avait des... Je sais même pas comment ça... Des garçons qui poussaient comme... Des singes, ils faisaient comme ça. Vous voyez les petites tables comme ça qu'on met? Ils faisaient H24 ça, genre avec les petites tables qu'on met des trucs. Et c'était énervant, et genre ils criaient, ils disaient un truc en mode Hagiwagi ou un truc comme ça. C'était vraiment un zoo. Oui, voilà. Et parfois, à des moments, je regarde Gauchin en mode on est où là? Voilà. Mais sinon, franchement, on est contente de la chambre parce qu'on avait vraiment peur que ça serait un truc dégueulasse. Enfin, non, peut-être pas dégueulasse, mais plus qu'on va être sans salle de bain. Mais je sais pas pourquoi ça te dégoûte, genre. Non, ça me dégoûte. Tu vas aux toilettes avec tout le monde et là. Je vais pas aller. Mais ouais, mais genre, ça me dégoûte. Je connais pas les gens, je connais personne. Et moi, je voulais pas être dans une chambre avec des filles que je connais pas. Ouais, surtout, j'avais peur que ça va être nul, tout simplement, cet endroit, mais du coup, c'est pas nul. Ouais. Et la nourriture était vachement bonne, ça va. Il est 7h50, Johanna elle est dans la salle de bain, moi je me suis habillée, dans 10 minutes on a le petit déjeuner, je vais vous emmener avec moi pour qu'on voit ce qu'il y aura. Je me demande s'il y aura genre un truc de choix, un buffet ça s'appelle. On a tellement bien dormi, toi t'as bien dormi? Ouais. C'était tellement confortable, aussi on a mis les volets, du coup Johanna avait le réveil et nous, moi j'étais en mode quoi déjà? Et en fait... Je sais pas, on a bien dormi avec les volets, je pense, parce qu'on n'est pas habitué. Et bref, voilà, c'est parti pour la deuxième journée.
Les gars, vous êtes pas prêts pour ce que vous allez voir. Pour moi, c'est vraiment un château de Disney. Oh my god! Tylko mnie wybierz na prezydenta. Laj, 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 laj. Les amis, après je n'ai plus rien filmé parce que j'étais épuisée après encore une fois 7 heures de voyage. Mais j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et à la prochaine vidéo sera normalement une vidéo de Noël. Donc j'ai trop hâte. Bisous !